Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Fredo part en live. Nous sommes le week-end des 6 et 7 juin 2020 et vous regardez le numéro de la semaine. Non, là ça fait beaucoup trop sérieux, vous trouvez pas? Bah si, moi je trouve, ça fait un petit peu trop. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 1245, voici les titres de la rédaction. Non, plus sérieusement, Fredo part en live avec un petit vieux dos, avec un flash média et avec un petit bonus, ça démarre maintenant. Et c'est là, en ce week-end des... En ce week-end déconfiné, oui, peut-être, mais avec les gestes barrières, on fait pas la bise. Salut, tu vas bien? Non, ça on fait pas, mais ni ça d'ailleurs. Ça on le fait pas non plus, mais on peut applaudir ceux qui ont travaillé pendant le confinement et le déconfinement quand même. Ça on peut, pas qu'à 20h, même si à 20h je revois plus beaucoup et je pense que vous non plus, mais moi je le fais. Parce que je viens du commerce et des services publics et d'autres domaines. Voilà, on peut continuer quand même. Voilà. Fredo part en live, ça démarre maintenant, top générique. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fredo part en live. Oh là là, c'est trop bien. Moi, je vous le dis, c'est super bien. On est parti pour Fredo part en live avec le Flash Media. Toutes les infos médias sélectionnées rien que pour vous sont ici dans Fredo part en live. Week-end des 6 et 7 juin 2020. Et on démarre par NRJ qui a annoncé la bonne nouvelle pour beaucoup de personnes. 3 saisons supplémentaires pour le 16h-20h d'NRJ. L'après-école, l'after-school, c'est comme ça qu'on peut dire, pourquoi pas. Eh bien c'est Sébastien Coé, ou plus communément appelé Coé. C'est l'émission C'est Coé qui revient pour 3 nouvelles saisons supplémentaires. C'est officiel, NRJ l'a annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Coé l'a confirmé. Il reste sur NRJ pour 3 nouvelles saisons. C'est l'infomédia de la semaine, Sébastien Coé. 3 nouvelles saisons sur NRJ. Dans l'actualité également, c'est TPMP qui s'arrêtera le 18 juin prochain, c'est-à-dire vendredi, où bah, du coup c'est la dernière semaine. Et ben ouais, Cyril Hanouna l'a annoncé dans C'est que du kiff, l'émission s'arrêtera un peu plus tôt cette année puisque les équipes vont préparer la nouvelle saison, la saison 11, mais aussi vont un petit peu se reposer quand même un petit peu, pourquoi pas, vu que là cette année, normalement ce sera dès fin août la rentrée, donc voilà, moi je vous le dis, bon repos aux équipes et bonne préparation, tout comme Apprendre ou à laisser aussi qui s'arrêtera en même temps. Ce sera le jeudi 18 juin sur C8 à partir de 18h45, fin de saison pour C'est que du kiff et Apprendre ou à laissez. Excellente nouvelle. Eh ben oui, pour tous les fans de Jeff Panaclock et sa peluche Jean-Marc, le spectacle Jeff Panaclock contre-attaque sera diffusé sur TF1 le samedi 20 juin dès 21h10. Vous retrouverez le spectacle inédit de Jeff Panaclock et Jean-Marc sur TF1. Ce sera en prime time un samedi soir. On leur souhaite bon courage pour la concurrence, peut-être s'il y en a ce soir-là entre France 2, France 3 et M6. Vu que le samedi soir, on va pas se mentir, sur France 3, il y a toujours des séries qui cartonnent. Donc, à voir dans les prochains jours, ce sera le samedi 20 juin. Jeff Panaclock contre-attaque sur TF1. Triste nouvelle pour tous les fans de la matinale de RMC et RMC Découverte, Canal 24. Jean-Jacques Bourdin ne reprendra pas l'animation à la rentrée. Fini le 6h-9h pour Jean-Jacques Bourdin. C'est une autre personne qui va le remplacer. Selon les rumeurs du site Le Parisien et jeanmarcmorandini.com, ce serait Apolline de Malherbe, sa joker. Depuis quelques années maintenant. Il restera en revanche aux commandes de l'interview politique à 8h30 sur BFM TV et en simultané radio sur RMC, mais il n'animera plus la matinale en entière après 19 ans d'antenne. Voilà pour toutes les petites infos que j'ai sélectionnées cette semaine rien que pour toi. On passe tout de suite au vieux dos de Fredo. Gagner jusqu'à 200 000 euros, c'est possible, mais ça ne se fait pas comme ça, d'un simple claquement de doigts. Pour les remporter, la règle est on ne peut plus claire. Il ne faut commettre aucune erreur quand on est seul au pied du mur. Bonsoir à tous et bien évidemment, bonsoir le mur!
Avant de terminer ce nouveau numéro de Fredo Parent Live, ça passe hyper vite. Je te propose un petit bonus. Bah ouais, c'est comme ça, c'est un petit truc en plus. Ça s'appelle le bonus de Fredo. Fredo, c'est moi, le bonus, c'est un truc en plus. Et c'est maintenant dans Fredo Parent Live. Profites-en, c'est maintenant. Demain nous appartient et de retour pour des histoires inédites dès le lundi 15 juin sur TF1. Et voilà, toutes les bonnes choses ou pas, je ne sais pas si Fredo part en live, c'est une bonne chose pour toi qui regarde cette vidéo, mais en tout cas, c'est fini. On se retrouve le week-end prochain, samedi ou dimanche ou les deux, à partir de 11h et d'ici là sur les réseaux sociaux Fredo FMTV et Fredo part en live. D'ici le week-end prochain, n'oubliez pas, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, c'est mon physique, ma voix et surtout mon rire. Sauf que là, je vais pas faire semblant de rire vu que je ne sais pas rigoler ni pleurer sur commande. Donc je ne vais pas le faire, mais en tout cas, c'était Fredo Parent Live, voilà. Dans quelques semaines, on sera en fin de saison déjà, ça passe à une vitesse. Et ben ouais, on sera là jusqu'au dernier samedi du mois de juin. Et pendant tout l'été, j'ai des petites surprises pour toi, mais j'en dis pas plus. Passe une bonne semaine et encore une fois, on applaudit tous ceux qui ont travaillé durant le confinement et qui continuent pendant ce déconfinement, qui prennent peut-être des risques. Et puis voilà, donc merci à tous et bravo, bonne semaine.